Grève pour un 13e mois dans une entreprise où les salaires mensuels atteignent en moyenne 1200 euros net. Ces salariés en plomberie, chauffage ont connu un destin tourmenté, racheté par un fonds de pension, vendu puis repris par Célium Énergie, nouvel investisseur. Ils ont toujours la même revendication. On vient d'être racheté par une entreprise depuis 3 mois et on a fait une réunion et leur proposition c'est un éventuel 13e mois d'ici 3 voire 4 ans si l'entreprise a des bons bénéfices. Quoi. On s'aperçoit que malgré l'avoir la volonté dans les bras, du savoir-faire dans nos mains, on n'a rien dans les poches. Donc si on ne fait pas ce combat-là, on est dans une voie sans issue. Donc c'est pas possible. Que la direction, que tout le monde qui sont des cadres gagne de l'argent, on l'admet, ça c'est normal, tout à fait normal. Mais il faut aussi partager un petit peu le gâteau. La direction n'a pas souhaité s'exprimer devant la caméra et réclame du temps pour la mise en place d'un 13e mois. Les grévistes mettent en avant le bilan positif de l'entreprise pour l'imposer.